Épisode 2. Un œil pour les préserver tous. En 597 de l'ère nouvelle. Forêt à Friden. Marie, viens par ici! J'ai trouvé l'entrée d'une grotte, et il semble y avoir une lueur ou un reflet étrange dans sa profondeur. Tu voudrais dire qu'on en a enfin trouvé? Le détecteur n'est pas précis, mais la trace énergétique d'Oculite est intense dans cette zone. Bon, c'est pas encore gagné. Descendons. Tu sais pourquoi ça s'appelle l'oculite, en fait? T'en as ces questions. Moi, je la recherche parce que c'est ce qui se marchande de mieux. Le seul truc que je sais, c'est que ça a à voir avec le début de notre nouvelle civilisation. Il y avait un truc comme ça décrit dans les bouquins, mais ce que j'ai retenu, c'est que la densité énergétique est inégalable, et ce depuis 597 ans, et que ça vous rend riche surtout. Bon, t'avances? G, faut que tu vois ça! Mais prépare-toi à t'en mettre plein les yeux! Oh mon dieu! Ce gisement! Ça ressemble plus à une crypte qu'à un gisement, si tu veux mon avis. Tu as vu ces statues? On dirait qu'elles gardent le globe. Tu penses que c'est le cas? Personnellement, je suis pas très à l'aise. On devrait peut-être s'en aller, tu crois pas? Et tu nous feras part de ton avis et de tes états d'âme plus tard, t'es gentil. On est devant la plus grande mine d'oculite de la galaxie, là! Tu te rends compte? Avec ça, on est les plus riches. Point! Enfin, je suis la plus riche, et puis toi après, tu restes mon junior, je te rappelle. Et des visions sur le long terme, ouvre les yeux, quoi. À suivre dans le prochain épisode. T'en as de ces questions? Moi, je la recherche parce que c'est le ski. C'est. La... Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé ce petit épisode d'introduction d'ailleurs pour... j'ai mis le mauvais layout parce que le titre c'est pas Exterminate, hein, on est tous d'accord là-dessus, c'est Don't Blink. On va partir sur de l'unicolore avec Denis. C'est la faute du texte, ouais. Je me suis planté. Salut tout le monde. Salut aussi Denis, donc Denis est là en vocal, si vous voulez lui parler, je peux lui transmettre les messages. Donc, là en vocal et on n'est pas loin non plus. Mais on n'est pas loin non plus, ouais, donc si jamais il y a des soucis techniques, je peux aller le voir ou il peut venir me voir. Denis est une patate, il y a un message de Kaya. Voilà, Don't Blink, épisode 2. Pouf. Transition. Ah là là, un petit peu à l'arrache. Salut Sofonx. Et du coup, salut Mathieu et Camille, qui est pas très loin non plus. Il y a toute la coloc, c'est bon. On est tranquille. Il y a Kaya qui me regarde. Petit cœur à Kaya. Denis, petit cœur à Kaya pour toi aussi. Ouais. Alors, donc on a un petit point à regarder sur OGS. On a vu pire à l'arrache, ouais. Ouais, on y travaille quand même. On y travaille. Ouais, du coup, le souci étant que je n'ai jamais fait d'unicolore sur OGS et que. Et du coup, je vais refaire un micro tuto spécial Denis pour. Allez, là. Pour ça, Denis, salut Sofonx, tu peux regarder du coup le stream si tu veux. Mince, je suis sorti de mon parti. Le stream. Bah sinon tu peux venir directement dans la chambre en fait. Oui, il arrive. Voilà, Denis. Voilà, en live, comme ça il peut vous entendre et faire des bisous. Tada! Rebonjour tout le monde. Voilà, la caméra est là. Yo! Ah oui, donc je vois ces deux machins. Ah, donc à moitié. Ah bah dis donc. En peignoir et tout. C'est le peignoir de la victoire. Il était planqué où? On l'a mis dans le placard, pas très loin d'ici. Yo, salut tout le monde. Donc voilà, on peut personnaliser. Faut que je le mette en transition. Pouf!
Voilà, petit tuto spécial. Donc on peut personnaliser ici comment on met le goban, et puis là comment on met les pierres. Donc là on peut mettre du noir ou du blanc, moi je mets du noir. Et puis là on peut mettre deux fois le noir. D'accord, ok. Et maintenant, bah, quand on pose les pierres, c'est que du noir. Stylé. Voilà. Bah base. Bon, on se tape dessus. On se tape dessus ? Allez. C'est parti. Voilà, je vais faire, pendant qu'il personnalise, je vais faire un petit truc du sang, mais bien sûr qu'il y en aura. Je vais faire un petit pool. Pooling. Alors, noir et noir. Create pool. Je crois que c'est bon. Dédé ou Lolo. Hop. Dédé son peignoir magique. Ou Lolo, qu'est-ce que je mets? Bouya. Et son œil pour les gouverner tous. Ouais, on entend un peu le clavier. Je tape un peu comme un bourrin. Ok, je me calme. Tac. Et tac. Hop, on est bon. Je vois, pauvre clavier, ouais. J'y vais comme ça quand je tape sur le clavier. Hop, je vous montre. Ah bah il est parti. Mais en fait, je voulais voir, je croyais que c'était un board d'analyse, j'ai pas fait gaffe, c'était pour tester, mais du coup, j'ai pas pu tester, on va voir. Ok, de toute façon, on n'a pas repris la partie encore. Je vous poste le lien de la partie si ça vous intéresse. Et on va partir avec un peu de musique. Voilà, on va mettre du Akash Gandhi. Hein. Si vous c'est trop fort, vous n'hésitez pas à me le dire. Tennis, toi, c'est pas trop fort pour toi, car tu n'entends pas. Sinon, t'es sur le stream et ça veut dire que tu vois en double couleur. Et. Donc ça c'est la fenêtre que je dois pas regarder, et ça c'est la fenêtre que je peux regarder. À voter. Ah, le vote dur. Bah, peut-être attendez, je vais le clore au bout de combien de coups à ton avis, Denis? Le petit stream que... Le vote pour savoir qui gagne? Ouais. En unicolore c'est marrant, je sais pas... je sais pas, 50 coups? 50 coups? Ok. Ok, non, 50 coups. J'ai jamais fait de truc comme ça, je sais pas du tout. Bon, on va mettre. Allez, on va mettre 30 coups. Allez, 30. Je me mets une petite alarme quand on arrivera à 30 coups. Hop, reprendre. Ah non! Ah ouais, mais. Ah, attends deux secondes, gros, je fais une pause. Déjà? Non, mais les. En fait, toi, t'avais deux couleurs noires, l'une au-dessus de l'autre. Moi, j'ai aucune deux couleurs identiques. Et du coup, j'ai mis les deux les plus proches, mais je vois clairement la différence en fait. Ah ouais? Bon. Genre, tu vois, deux noirs parfaits ou deux blancs parfaits, c'est... Ok, je m'en occupe. Vous me donnez une seconde, je vous laisse avec la musique. Désolé. Genre, ça rend comme ça. Ah oui, non, c'est pas du tout pareil. C'est parce qu'il faut cliquer là. Ouais. Et là, tu sélectionnes la couleur. Ah oui. Ah oui. Et ben voilà, Denis le boulet. On est reparti. Moi je suis noir du coup. Oui. Bon bah bonne partie Lolo. Oui, bonne partie. Et oui, sur le stream vous avez le droit de voir les coups. C'est de la triche pour les votes. un petit peu. Je pensais qu'ils avaient les mêmes infos que nous, mais en fait non, ils ont plus d'infos, eux ils voient la partie. Ils voient la partie en grand et à côté ils voient ce que je vois moi. Comme ça, ils peuvent vérifier. Il y a ma souris qui passe un peu sur les intersections, ce genre de trucs. Ah, mal au crâne. Ça va pas aller en s'améliorant. Oh putain, tu me le refais celui-là, je l'aime pas, putain. Je sais pas, ouais, je joue tout le temps. Ah, tu joues tout le temps. Ouais. Tu sais quoi, je vais. Ah, j'aime bien celle-là. Ouais. Franchement, il y a des. Tant que j'ai pas fait du. Pas serein. Hein. Qu'est-ce que je devrais faire à ton avis? Tac 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 tac. Ou alors ça. Fous Eki. Sur son bloc-notes. Ouais, Fous Eki, j'avoue.
On a du time, on a 30 minutes par joueur et 3 fois 30 secondes. Ouais, on a le temps, ouais. Un jeu anti-lolo. Ah non, pourquoi vous faites ça? Il y a Mathieu qui veut développer un jeu anti-lolo. J'aime pas bien beaucoup c'est quoi, ça. Un jeu anti-lolo. Je sais pas. Je sais pas, il analyse quand je dis j'aime pas et puis. Puis il tricote avec. Peut-être, peut-être. Bon allez. Faire suer la pépouse. Et là. Ouais, chill. Ça va faire des pâtes, des pâtés. Ouais, je me disais que les pâtes c'était pas très très logique. Mmh. Camille qui disait oh, ça va faire des pâtes directes, mais du coup je comprenais pas, mais c'était des pâtés évidemment. Ah. Ça me paraît plus logique comme ça en tout cas. Bah, on a rarement autre chose que des pâtés en unicolore. Hein. qu'est-ce qu'on répond à ce truc? Bon, on répond. Bololo. Bolos sur le goban. Qui bolos quoi? Les pâtés bololo. De quoi? J'avais oublié que t'avais pas répondu. Ouais, je me dis, bon, peut-être qu'un jour quand même. Ah ouais, ouais, c'est important move. Ok. Il reste combien de coups? Oh putain, un coup 40. Ah ouais? Bah en fait, il reste moins 10 coups. C'est super rapide. Vas-y, jusqu'au coup 50, on fait encore 10 coups. On joue rapidement. Tiens. Ah oui, parce que c'était déjà terminé là, sinon. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, c'est vrai que là, ça a l'air tout à fait honnête. Tout à fait, j'en sais rien. Bravo. Ouais, ouais, je suis pas au meilleur timing. Heureusement que vous êtes là. tic, tic, tic. Ouais, t'as l'habitude, toi, de faire des unicolores, Denis, quand même. Enfin, t'as eu l'habitude, en tout cas. J'en ai fait, c'est un truc que j'aime bien, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, je sais pas. Je dirais que j'en ai fait une dizaine dans ma vie, peut-être. C'est tout pas. Non. Je pensais maximum 10. Pourtant, enfin, genre, il y a plus de 3 ans, on en a fait quand même quelques-unes... Mais les quasi, enfin, c'était à chaque fois avec toi quasiment ou Camille que je jouais.
Ok. Les gens, ils aiment pas trop les unicolores, sinon. Sérieux? Droideur avec Camille, ouais. J'ai pas trop de souvenirs. Bah après, j'ai peut-être fait... Non, pas étonnant. Ouais, je suis pas trop... Les gens, ils disent que c'est étonnant. De salut, Mizuti. Non, il y a Mathieu et Camille qui disent que c'est étonnant qu'il y ait très peu d'unicolores de fait. Ah, t'as joué. Ouais. Ouais, bon. De toute façon, il n'y a pas 30 manières de répondre à ça. Pas vraiment. Sofonks qui dit j'en ai fait qu'une, on se demande contre qui. Ouais, Camille, elle a un petit peu tué le game sur les unicolores. Feuille, je crois qu'il y avait un cours d'une séance là-dessus il n'y a pas longtemps. Oh, c'est très probable. Mais du coup, j'ai pas trop suivi les cours d'une séance, donc il y a des tournois d'unicolores de prévus de mon Mizu, non. Ah bon? Il y a un tournoi d'unicolores de prévu? Je veux savoir. Mais qui c'est qu'organise ça? Bah en tout cas, c'est pas moi, mais ça pourrait être Camille, sans aucun problème. Ah, mal au crâne, faut lire des trucs. Il n'y a qu'un coup. Un tournoi d'unicolore. Ah, franchement, pour le fun, ça pourrait se faire. Mais je pense qu'il faut faire une partie d'unicolore par jour. Sinon, le cerveau, il lâche. Voire par semaine, je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est ce qui est pratique. En ligne, c'est que, enfin, genre, je veux dire, en présentiel, bah, des fois, s'il y a l'un des deux joueurs, enfin, genre, on peut jamais être sûr, tu vois. Genre, il y en a un, il dit, bah, la pierre, elle est là, l'autre, il dit, elle est pas là, bon, bah, t'es un peu dans la merde. Ouais, moi, je sais pas. Internet, tu peux jamais avoir ce souci. J'ai l'impression, au niveau d'Anne, on se souvient quand même globalement des pierres, et du coup, s'il y a litige, tu peux toujours revenir au moins à la pierre qui était posée, quoi. Bah ça dépend, si c'est une pierre que t'as joué au coup 10 et qu'elle a de l'importance au coup 120... Bah faut revenir au coup 10. Ouais, c'est un peu chiant. Bon, j'ai un petit problème de chicho, moi. T'as qu'à solidifier ta pierre. Ah ouais, au stage, ils en faisaient apparemment avec un arbitre, mais du coup ça demande des gens. Ça demande, bah, comme le Phantom Go, mais moins de matos. Ça y est, je gagne autant.
C'est rigolo, je vois un petit renard. Genre délice et calice, ça fait des petits yeux. Et des petites oreilles en haut à gauche, en haut à droite. Camille, tu as trop de mauvaises influences sur moi. Mitsuki, des échecs en unicolore, tu demandes. On a déjà essayé. Et on a fait... Ah oui, mais non. Non, non, pardon. C'était du pétango échec. Enfin, du pétan échec. Ouais, non, échec unicolore, pas fait. Faut tout essayer. Bon, c'était bien, bien nul. Pas grave. T'avais pas le chichot ? Bah, non. Ah, ok. Je croyais. Ouais, j'ai cru aussi, mais en fait, non. Papapam. Ah, c'est marrant, j'ai pas vu. Ah oui, donc, on voit pas où est. Ouais, c'est marrant. Le truc. Strong. Boom. Le truc qui est rigolo avec OGS, c'est que la couleur du cercle qui est sur notre pierre est de la couleur de la pierre adverse. De fait, si on est en unicolore, et ben on voit pas. Mais ça empêche pas de juste cliquer pour voir quel est le dernier coup joué. Ou juste demander à la personne. J'ai joué en D7. Allez, c'est à moi. T'as joué là ? Ouais. Je pense que t'as joué dans l'analyse. Ah merde, oui, j'ai joué dans l'analyse. C'est ça. Ouais, champion. Moto-troll. Qu'est-ce que tu me fais là ? Je sais pas, ça a l'air marrant. La forme de la fougère. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a plein de petits couilles de partout. Ouais. Tiens. Pip. Bon, oh, la flemme de lire, ça a l'air marrant. What? Vas-y, mais rentre chez toi. Je suis un peu chez moi. Non, t'es chez moi, wesh. Base de vie. Séquence émotion pour ma... Ah oui, oui, il y avait une petite musique toute douce là. tu viens là. Paf, 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 paf. Ouais, ça peut être drôle. Oula, qu'est-ce qu'il va faire? Ça fait peur. Non, il joue. Haha. J'ai fait Toby. Ah ouais, ah, okay. Ah ouais, c'est marrant.
Qu'est-ce qui va se passer là du coup? Il faut un doliprane. Ouah, c'est méga sale ce qui se passe. Je sais pas ce que tu envisages. Moi je vais couper. Oh. Fair enough. Qu'est-ce que je fais? Si je viens là, tac, 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 tac. Tu veux faire du sale comme ça? Non, c'est pas ton genre. T'es en train de me dire que c'est ton genre? Je sais pas, ça dépend comment tu réponds. Mais potentiellement, oui, je peux faire le sale. Quitte à choisir. Quitte à choisir. À choisir. mince, j'ai pas vu. C'est où? C'est. Ouah, bah du coup, on est au coup 56. Je vais clore le vote. Est-ce que tu veux savoir le résultat du vote? Ouais, vas-y. Il y a écrit Denis, winner, à 50%. C'est 50-50. C'est 50-50. Allez là, stylé. That's good. Ok. Il y a eu de vote? 50%. C'est ça qui est chiant avec cet outil. Ouais. C'est que non, j'ai pas le nombre. Que tous ceux qui ont voté lèvent le bras. De quoi? Ça se trouve, il y a deux pauvres mecs qui ont voté. Ouais, ouais, c'est possible. Hein. Donc, t'as joué là. Bon, j'ai pas trop le choix. Hein. On va genre Mathieu, il s'offense. Quoi que ça, ça a l'air tentant. Ok, je vous prendrai à partie pour savoir qui a voté. Ça a l'air tentant. Oh, du coup, on a au moins 4 votes, mec. Ouais, tu fais ça. Fair enough. Moi, je suis une belle forme. En attendant. T'es beau. T'as vu? Ouais. J'hésite ce que je fais après. Hein, ça? Ok. Ok, alors ici on a cette forme-là. Bon, on va quand même. C'est gratuit. C'est pas gratuit du tout, mais je sais pas ce que ça nous fait, mais bon. Bon, ça doit être vivant tout ça. Oui. Hein ? Ça, y a pas de... Déjà, non mais c'est bien d'avoir des bons vivants, c'est un peu ça comme Orengo. T'aimes bien avoir des trucs vivants, Orengo. Ou Ogo tout court, avoir des trucs vivants, c'est bien, ouais. Il paraît, il paraît. On va jouer Solid as a Rock. Et Tsuke, histoire de probe, histoire de faire un petit coup de sonde sur ce que tu vas me faire plus tard. Ça va couper? Quoi? Non, je suis pas du genre à couper.
Je suis du genre à vivre tranquillement. Camille est déçue que j'ai pas coupé. Mais elle veut que tu coupes où? Je sais pas. Elle a des visions très à long terme. Probablement en J7. En J7? Ah oh ouais. Non, mais j'ai que... Ouais, en plus, c'est Orengo que on coupe, parce que c'est Marine qui coupe. Moi, je coupe pas, j'ai fini. Je suis trop vieux pour ces conneries. Je sais pas du tout, c'est quoi la meilleure manière de répondre à ça? Ok. Alors. Bon, c'était une probe. Qu'est-ce qu'on fait après? J'ai envie d'y aller en mode brute force, mais c'est peut-être pas le meilleur moyen. Non, parce qu'il y a ça. Parce qu'il y a ça. Du coup, peut-être que... Je vais juste faire ça. Et je vais vivre. Dans mon monde idéal. De quoi ? Ça a l'air très bien, oui. Vivre, c'est cool. À ce kiff, ouais. Mais est-ce que c'est vivant? C'est la grosse question. Bon, y a peu de chances que ça meure, mais... Moi, je suis pas complètement rassuré. Hein. Crois-moi. En uni, tout peut arriver. Ils veulent pas des petits groupes qui vivent. Ils veulent au moins un CMI géant comme dimanche. Dimanche, qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Tu sais ce qui s'est passé dimanche, Denis? Non. Non, moi ça me dit rien non plus. Il s'est passé plein de trucs dimanche, mais j'imagine que ça intéresse pas beaucoup de gens. Dimanche... Ah, on a joué un sémillage géant. Ah oui, on a fait ça. Comment est-ce qu'on... But. On y va au port et puis... Franco de porc. Franco de gros porc, je dirais. Parce que là, je peux y aller comme ça. Tac. Ok. Et on jump. C'était la coupe de trop. Enfin une coupe, ouais. C'est une coupe tranquille quoi. Abusivement préventive. Comment ça ? Mm-hmm.
peut-être un peu... Mais ouais, mais en même temps, c'était tellement solide de ce qu'on a, de toute façon. Qu'est-ce que c'est la suite? That's a very good question. Hmm. C'est une musique de Yossé. Moi ouais, j'avoue. Oh là là. Pouf. Ah ouais, il est chaud le lolo. Bon, déjà on coupe et on verra après. C'est le on verra après qui m'intéresse. Et puis on coupe et on verra après, hein, je suis d'accord. Alors, le on verra après, comment il se passe? Mais c'est encore une musique de Yossé là. Je vais mettre Invincible. C'est que ça doit... Ouais, des trucs épiques. Je vais essayer de trouver des trucs épiques en musique. Ah bah, voilà. Ouais, c'est pas mal. Non, je peux pas mettre de stupéflip, c'est pas autorisé. T'as joué là. Hmm. Ouais. Touquet, coupé, crosscut, nobby, boom. Ouais, je le coupe, hein, du coup. Machu beat. What the heck? C'est bon, ça vit tout seul. Sans problème, quoi. Ça fait 4 coupes d'affilée. Faudrait un score de coupe. Tac 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 tac. Bon. Mmh. Allons-y franco. Ouais bah là on est parti pour du bon gros sale. Salut, une Avril Cinématique Universe. Quel drôle de nom. Je sais même pas. Ah, je peux pas vérifier. Bon, ça a l'air de solidifier un petit peu, ça, non? T'es pas d'accord? Bien que ce soit vrai. Je suis pas sûr. Ah ouais? Atari.
Atari. Allez, les beaux pâtés. Ouais. Ah, ça peut être que bon, des gros pâtés comme ça, franchement. Ouais, j'aurais bien voulu cette pierre, elle me plaisait pas mal. Je commence à être paumé. Attends, ah oui, t'es tout connecté. T'es tout connecté. Ah oh, ouais, ok. Mister is all connected. Bah ouais, quand même. Allez. Ouais. Bon. Pas se prendre la tête. Ouais, le Youssef va être rigolo, ouais. Tsukashides. Ah, ouais, il va peut-être pas être si sympa que ça. Oh shit! Petit bug. Ah merde! Aïe! Ah ouais, non, là c'est méga bug! Ouais. Ah, j'ai zéro heal, putain, je peux pas partir d'ici! Ah! Ah, j'ai l'esprit un truc possible. En plus, t'es tout connecté maintenant autour. Ah ouais, échec critique ouais, de ouf. Bien connecté là, ouais, je pense. Oh man, ce serait si rapide. Ah putain, c'est beaucoup trop gros. Ah, je pense que sur une partie de Go normale, oui. Après, en unicolore, je sais pas. Ah ouais, mais non, mais là, ça semble bien échec critique quand même. Ouais, oups, j'ai glissé. Ouais. Ah, je croyais que j'étais connecté, quel couillon. J'ai décalé la pierre. Fait ouais, ouais. Mais j'ai cru que j'étais descendu. Mais oui, ouais, t'avais pas 3 pierres, t'avais 4 pierres, je suis couillon. J'avais 4 pierres, ouais. Ah... Voilà les joies du les joies du stream unicolore en direct. Ouais. Comment on fait? Là. Oh là là, je vois rien. Je vois rien du tout. Le bazar, il a push. Euh...
Purée, un œil. C'est pas assez un œil, hein. Jusqu'à preuve du contraire. C'est la moitié du taf. C'est la moitié du taf, ouais. Tac, 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 tac. Mon dieu. C'est pas tant de la folie, Silver, c'est de l'incompétence. Ah mon dieu, je n'ai rien pour me retirer de là. Voilà, c'est vrai que Noir a l'air bien bien solide. Bon, je fais quoi? Je sais pas, comme des au secours. Faut que je bute le reste. T'as déjà un moitié de plateau. C'est trop chaud de buter le reste. Ce n'est pas possible. Bah, y a pas beaucoup de reste parce que en fait j'ai un seul groupe tout connecté quasiment. Bon, continue de couper. T'as joué où là? J'ai pas vu. M7. Ok, ok. Il m'a coupé. Bon, pour ce que ça vaut. Ouais, au 7, hein. Au 6, pardon. Revanche, ouais, je suis pas sûr de continuer. De continuer. Mais après, si sur cette partie. Je sais pas, je propose ça comme ça, mais si tu veux, on s'en fait une en blitz, genre en 10 secondes par coup, une Nicolas en 10 secondes par coup, ça peut être marrant. Mais non, mais 10 secondes par coup, ça peut être marrant, Gigil. Ah là là. Non, mais en fait, je l'ai prévu pour ton. C'est pas quel mais genre enfin je sais pas quand est-ce que tu voulais terminer, si tu voulais commenter ou faire quoi, mais bon. Bon, on peut commenter vite fait cette partie là. Ouais, on peut faire ça. Aïe aïe aïe. Mais ouais, je vais abandonner là, je pense. Tout le monde est d'accord. Ou s'il y en a qui veulent que j'aille plus loin, mais franchement, je vois pas grand chose. On fait un vote pour savoir si tu dois abandonner ou pas. On fait un non, là je vais abandonner, je pense. Ouais, ça a l'air dur, ouais. J'ai abandonné. Je pense qu'on voyait tous les deux la partie, mais sauf un coup là, qui était juste ouais, hardcore. Ouais. Et oui, mais tu craignais rien, quoi. Que le moment où il y avait les gros pâtés là à droite, il y a un moment où j'ai commencé à perdre le fil. J'ai eu un peu peur, mais ouais. Tac. Abandonné. Noir, ouais. Gagne. Mais. GG, mecton. Voilà là. Thanks. Je te laisse créer une review. Ouais. Ouais, pendant longtemps, ça a été... On va voir les pierres en noir encore ou... ouais, on va faire la review avec des pierres blanches et noires, je pense que ce sera mieux. Ce sera peut-être un peu plus simple, ouais. Ouais, a priori, on a souvent... Enfin, jusqu'au coup 80, quoi, en gros, on a oscillé entre... Ouais, entre... c'était très serré, ouais. C'était aux alentours des 5 points, quoi. Ouais. Ouais, moi, il m'a semblé que c'était très serré tout le long, ouais. Même ton invasion, je trouve qu'elle était bien. Hein. Elle était, elle semblait ok, ouais. Ouais, ouais. Et j'ai complètement déconné. Ah ouais, au moment où je connecte toutes mes pierres, en fait, pouf, tu passes à plus 20, plus 30. Ouais. Ok, bon, on va faire la révision. Hop, réviser la partie. Je vais juste. T'as vu le passage en revue. Hop, je vais juste le mettre dans le truc OGS, Game OGS Grand. Ah, c'est mieux, pierre blanche et noire. Ouais, hein. ça détend un peu le cerveau. C'est mieux de voir des pierres blanches et noires. Oh, c'est pas si mal, hein. Ah ouais, c'est cool. J'ai l'impression de redécouvrir la vie. D'ailleurs, je vais le mettre... Est-ce que vous voulez ce Goban en fond? Ah ouais, c'est rigolo, je vais le mettre vu qu'il est en petit. Très bien. Et puis... ouais, c'est comme je joue d'habitude. Et on va prendre ces pierres-là. Pouf, parce qu'elles sont plus jolies. Ah ouais, mais pour faire la review, c'est n'importe quoi. T'es sur la review, là? Ouais, je suis sur la review.
Ok, ok. Tac, tac, tac. Ouais, on est bon. Ah, je l'aime pas celui-là. Je... La prochaine fois, faut que je te fasse ça. Ça me fait ouais. chier. Hier, on et a en joué. Fait, ouais, à chaque fois, je joue F3 et quasiment tout le monde répond en P3. Alors que moi, j'aime bien avoir O4. J'aime bien cette position. Ouais, ouais, ouais. En perso, hein. C'est parce que du coup, vu que j'ai F3, j'ai le chicho dans la variation qu'on a fait dans la game. Et du coup, j'aime bien. Ouais, ouais, je comprends. Bah après, ça mais du pas. Coup, ouais, tu... Enfin, c'est pareil, ça fait hyper longtemps qu'on me l'a pas joué dès le début de partie. Le ANR18 avec S15? Ouais. Et ici, est-ce que ouais. je dois faire autre chose? Genre, est-ce que je peux faire ça? C'est possible? Ça doit être possible, mais je pense que S18, c'est normal aussi. Localement, avec 1, ça perd beaucoup de points dans le coin, quand même. Ouais, mais j'ai envie de... J'ai envie de... d'enlever un petit peu cette possibilité, c'est... J'aime pas trop me battre dans le moyo de quelqu'un d'autre. Ok, bah dans ce cas-là, ouais, R13, c'est ok, je pense. Ouais, R13, hein. Mais c'est possible, ouais. Mais dans ce cas-là, tu vas là? Ouais, ouais, je fais ça, ouais. Je fais S18, hein. Ouais, ouais. J'ai l'impression que ça perd un peu, ouais. Je pense que... Ça doit perdre probablement un peu, mais après, si ça compense le fait que t'es un style avec lequel tu joues mieux, bah, pourquoi pas. Possible. Ça doit pas perdre énormément de trouve... j'imagine. Pareil, ça y est, c'était la possibilité de faire ça. Mais ça, pareil, je trouve que ouais. c'est un peu trop gros. Ouais, je pense que c'est ok. C'est ok enfin, aussi, c'est ok c'est aussi. C'est une question de style, mais c'est pas mauvais pour blanc. Ouais. Il enfin, y a aucune raison que ce soit. Et là, j'ai oublié de répondre en fait. Oui, et moi, j'ai oublié de punir. Ouais. Là, tu ferais bah, ça. Après, c'est pas. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ça développe bien ta boîte. Ouais, mais blanc, il est ok aussi. Hein. Oui, probablement, mais j'ai pas l'habitude de jouer dans ce genre de position pour moi. En général, genre, je suis jaloux et je vais casser un petit peu les boyaux de partout, comme ça on n'a pas de points tous les deux et puis on est tranquille. Là, j'étais pas tout à fait à l'aise, pareil. J'ai pas l'habitude de. Mais là, tu rajoutes ça. Et ouais, là, t'aurais dû jouer ça, ouais, je pense. Y a pas de bonne manière, c'est comme ça. Hein. Ouais, et puis blanc prend le ponuki. Celui-là? Et il connecte par en dessous, ouais. Ah, ok. Et ça, c'est... ouais, c'est... Je crois que c'est la séquence classique qui suit, il me semble. Ouais, là, pour le coup, je sais pas si c'est si bien pour noir, au final. Noir, il réduit quand même beaucoup de points en santé. Ok. Ouais, par rapport à l'autre. Là, non, ouais. Ouais, ouais, là, par rapport à l'autre. Ouais. C'est pas mal, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'en plus, c'est santé, ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est fort. C'est vrai que c'est fort. On lui accorde. là, pour moi, t'as le chicho, non? Non, je crois pas. Hop. Tac, tac, tac. Ouais, la feignasse, je sais. Je vais le faire avec le doigt, même. Hop. Voilà. Et du coup, il y a noir qui est là, blanc, noir. Ah, tu veux dire que c'est comme ça? Donc là, je fais ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Je sais fin, pas, c'est ça. Dans ma tête, c'est compliqué pour blanc. Ouais, ça donnait un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, je l'ai lu la première fois où c'était ça donnait ça. Genre, tac, 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 tac. Et puis la deuxième fois, je me suis dit, ah ouais, mais... Du coup, quand je suis ici, cette pierre elle est en Atari. Du coup, c'est chiant. Ah, mais en oui, fait, non, ça n'existe pas. Apprenez à lire des chichos avec mon stream. Ouh. J'ai pas de chichos, c'est un peu tout pourri. Il doit juste sauter en F7, probablement. Ouais, là, tranquille. Ce coup-là semble ok. Enfin, du coup, après les échanges. Ouais. Ouais, t'es venu là, puis. Ici, faire ça, vu que comme ça, ça... Est-ce que là, je fais ça direct? Probablement. Je sais pas. Ou je connecte? Je
Je menace la connexion E601. Enfin, si je suis blanc, je rentrerai à droite, je pense. Bah, je peux pas faire rang 1 vu qu'il est déjà là. Ah, c'est des questions du chat, pardon. Ouais. Il y a Mathieu qui demande E601, mais du coup, je peux pas le mettre vu qu'il est déjà là. Ah, peut-être qu'il voudrait que je fasse ça. Ah. Genre là, je te laisse ça. Mais avant, j'ai mis ça. Une fois que noir joue H5, est-ce que tu peux capturer noir? Moi, on va pas mourir, je pense. Ouais, ça paraît un peu chaud. Ça paraît un peu dangereux pour blanc, même. Ah ouais? Je sais pas, après, il faudrait lire. Mais E6. Ça m'étonnerait que noir meure, là, ouais. Quoi? E6, c'est là. Ah, tu voudrais que noir joue ici? Ah, ça, c'est possible aussi, ouais. Si, on a les mêmes coordonnées. C'est juste que je croyais que c'était blanc que tu voulais, Mathieu. Ça, c'est possible. Comment ouais, on répond à ça fait. Comme ça? Non. Aucune idée. Comme ça? Je sais pas. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, au Kosumi, ça a l'air ouais, bien. Ouais, petit Kosumi, ouais. Paf, ça qui veut. Alors là, le Sansan marche beaucoup moins bien maintenant, je pense. Enfin, ça dépend à quel point noir a descendé vers H3, mais... Ouais, non. C'est un peu compliqué. Mais ouais, c'est une possibilité aussi pour noir, hein, bien sûr, ouais. Mais ouais, la tâche directe... Ouais, bon, ça c'était pas ouf du coup pour noir. C'est pas ouf du tout. Et le Kosumi en D7 me paraît normal après ça. Ouais, je pense D7, j'ai beaucoup aimé. D7, c'est très bien, ouais. Ça protège la coupe de manière active. Ouais, c'était ce que je voulais. Après, ouais. Si jamais. Enfin, par contre, ça laisse une possibilité de co plus tard, j'imagine. Ah, quoique même pas en fait. Ouais, non, ça. Non. Peut-être, mais en fait, même si ça donne un co, ça affaiblit tellement l'autre côté que un co, le co, il est tout petit, quoi. Ça, à mon avis, c'est pas worth it. Ça, c'est cata pour ouais. Noir. Hein, oui, je pense enfin, aussi, mais je veux dire pour plus tard, quoi. Limite. Et du coup, c'est pour ça que je me suis demandé, est-ce que connecter, c'est pas un petit peu mieux. Mais je trouve que la forme, elle est un peu trop ok pour moi. Ah ouais, c'est beaucoup plus actif, ouais. Mm-hmm. Du coup, la bazar. Putain, cette... Attends, là, cette séquence, elle est méga importante. Ouais, faut regarder un peu en détail, ouais, ce truc. Très compliqué. Ça, c'est méga compliqué. Si tu coupes en haut, ça donne quoi? Ça? Ouais. Bam. J'avais pas envie que tu fasses ça. Oh, mais ça. Ça, c'est ok pour moi, en vrai. Pour noir? C'est ok pour moi. Ah oui, j'aime bien blanc là, ouais. Donc là, je pense que je bloque. Là? Ouais. Ah, tu fais Atari et. Ah ouais, non, c'est de la. Ouais, c'est pas ouf, ouais. Bof. Ça, c'est cool pour blanc encore, je pense. Non, ça marche pas. On oublie. Ouais, non, ça paraît ok. Et si je tourne du coup, ouais, au lieu de bloquer. Si tu tournes. Bah, on coupe, tu fais la séquence. Et tourner au lieu de bloquer. Et là, bloquer. Ah, c'est chiant ça. Je sais pas. Ah, c'est chiant ça. Parce que j'ai envie de rajouter ça, sauf que là. Ah, ouais, non, ça va pas. Ouais. Faut que tu coupes. Mais tu coupes où? Là. Tu coupes en H2 ou ici? Noir va mourir là, non? Ou peut-être c'est un co? Qu'il y a F1? Peut-être. Voilà, c'est compliqué. C'est pas évident, ouais. Après, ouais, peut-être qu'il peut commencer par là. Ouais. C'est pas évident. Je sais pas, ouais. Je sais pas ce que ça donnerait, ça. Ouais, c'était des séquences très compliquées en unicolore, ça aurait été très marrant. Au secours.
Ouais, au secours, ouais. Il y a quoi? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ouais, ça a l'air ok pour blanc. Hein. Ah ouais? Au feeling, j'allais dire que ça a l'air ok pour noir, mais... Mais c'était juste du feeling. Peut-être c'est un co, mais c'est co, je pense. Mmh. Ouais, bah avec le G1, là, c'est casse-couille. Tac. Est-ce qu'on peut éviter co? Si noir joue... si blanc joue à H1, juste. À quel moment? Enfin, après la séquence, ouais. Là? Pour éviter le co. Ouais. Mais attends, là, c'est à noir de jouer? Après 17, noir, il a joué où? 18 en K1. Ah, ok, mais c'est pas... Ah oui, c'est pas noté sur le noir. Et après H1... Et après H1... Tu peux pas... Ah, noir, ouais. Faire ça? Ah, ça connecte. Mais est-ce que blanc a le time de couper en O2 avant? Blanc a le timing de couper en O2 quand il veut avant, du coup il peut bloquer. Ah, tu veux dire là, pouf. Ouais, ouais. On fait la tari, on fait celui-là. Ouais. Et là, noir a l'air mort. Tac, tac. Tac, tac. Ah, comme ça. Si, ouais, attari. Ah, l'autre Atari c'était mieux. Oh, comme ça c'est pareil en fait. Ouais, c'est pareil. Mmh. Ok. Ouais, du coup. Un gros bordel que. Un gros bordel. Qu'on peut pas lire en unicolore. Non, je me suis dit, je vais me solidifier, même si je. Enfin, au pire, je te donne de l'extérieur. Là, peut-être que je dois rompre. Ben, j'ai l'impression que 1 c'est très très gros, ouais. Mmh. Après, H2 c'est très gros aussi. Mais bah surtout que, enfin ouais non, en fait H2 tu peux toujours revenir là pour couper, ouais, je sais pas si... Et moi je perds vachement bien le centre du coup quand même. Mm-hmm. Après l'avantage de H2 c'est que t'es 100% vivant quoi. Ouais. Qu'est-ce ça marche pas trop, non. Non, ça c'est... Mm, je sais pas, on peut pas checker l'analyse IA, voir ce que l'IA a dit, là s'il vaut mieux capturer ou jouer 1. Tac, on va checker. Ouais. Après, comme je te disais, on est resté... du coup, pam pam... Ah, c'est cool, comme ça, je mets l'analyse IA. Donc là, fallait bien que j'aille en dessous. Alors, je vais remettre jusque-là. Donc, jusque-là, c'est OK. Ici, il faut que tu bump, mais ça change pas grand-chose. Ah si, ça fait 6% au moins, quoi. Bumper... là, comme ça. Ah! A priori. Dans ce cas-là, je fais Atari, tu fais Atari, je connecte, tu fais Atari, tu prends l'extérieur. Et moi, je prends les deux pierres en F3, F4. Ok, et ça donne quoi? S'ils disent c'est 50-50 comme ça? Là, on est à 60% pour toi. 60-40. Ok. Tac. Après, c'est une analyse IA. Ah, alors lui. Juste après que tu sois allé là, il dit tout de suite le bump. Enfin, le. Tout de suite aller dans le coin. Ah, il dit blanc, il est déjà vivant donc. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et du coup, nous, la séquence. Ah, toi, ta coupe en J3, ça te fait gagner 4%. Mm. Ouais, celle-là. Mm. Ouais, c'est pas le plus accurate. Waouh, ok, d'accord. Ici, faut que j'aille couper tout de suite. A priori. Et on est à 70%, 30%, là. C'est... commence à devenir un peu dur. Enfin, un peu dur. C'est 5 points, quoi. Ouais. 5 points face à toi, c'est quand même difficile. Quoi qu'il arrive. Ouf. Là, tu connectes, là, je monte. Ici, faut que tu prennes la pierre. Apparemment. Ah ouais, je dois te laisser le M6. Pourtant, celui-là, il est très agréable. Mais peut-être juste je saute en O6 et on s'en fiche. Ouais, et du coup, ici, ça... Ah, il fallait que je capture. Je perds combien avec M6? 2 points. 2%. 2%, quoi. Ouais, bon, ouais, ça va. Surtout que c'est la petite analyse chill, quoi. Ouais. Donc là, tac, tac... Ensuite, j'ai un bon timing d'aller en R5.
Et toi, du coup, Loïc, ouais. T'as bien fait de jouer H2 ou t'aurais dû jouer K7, du coup? H2, fallait le jouer, ouais. H2, c'est bien, ouais, ok. Ouais. Et ensuite, mon invasion est ok. Ah, ok. Ouais. Ah, c'est rigolo. J'ai vraiment hésité. Mais ici, il faut que je fasse année. Moins 21%. On est revenu à 50%. Ah, tristesse. On était revenu à 50% et ce coup-là apparemment fait perdre 20%. C'est un peu sale. Ah, ok. Ah, donc, ouais, 20%. Ah, ouais, je pensais pas que c'était une aussi grosse différence quand même. Ok. Bah, c'est vrai que okay. Je sais pas trop comment continuer. Si je fais juste année, ça te donne une bonne forme. Ouais, non, là, ça commence à devenir un petit peu chaud pour moi déjà. Et si je fais juste année, a priori, punk, tu fais clamp. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Ouais. Tac, 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 tac. 7. Ouais. Waouh, séquence chelou. 4, 6, 7, 8. Il fait ça. Ouais. 9. Ouah, non, mais les robots, des fois, ils se tapent des kiffs. Chaud. Trop weird. Ouais. Ah, ok, oui, parce que si je fais ça, bah, il y a double attaque. Ouais, mais pourquoi pas couper tout de suite en P8, alors? Pourquoi pas couper? Peut-être parce que... Parce que ça fonctionne pas si bien. Je sais pas. Oh... C'est des mauvais échanges. Oh, c'est compliqué, le jeu de go. Ouais, c'est compliqué, le jeu de go. Et puis, bon, ensuite, des bandades. Jusque-là, ouais. A priori, c'est ok. Ah ouais, tout ça, genre, c'est ok. Bah, en fait, faut pas que tu coupes. Ta coupe, elle est mauvaise. A priori. Mais y a plein de trucs qui sont mauvais, genre... Genre ça c'est mauvais, ensuite ça c'est rebond, et puis ça, enfin ici il faut que je vienne là. Ouais, je pense qu'il faut juste qu'il sorte dans le centre. Ouais. Je voulais attendre le dernier moment possible. T'as pas de l'espace pour faire deux yeux localement, enfin l'espace est trop petit, donc tu vas essayer de sortir tout dans fait, le centre. Tout à fait. Et du coup, faut juste que quand je fais de ça, tu bump a priori. Là, tu perds 20%. Ah ouais. En coupant, tu perds 20%? Ouais. Bon. Et ouais. Ici, je dois faire Atari. A priori, c'est vraiment... Faut que j'aille vers le centre, quoi. Mais tu sacrifies les 4 cailloux à droite, ou... A priori, je m'en tape, ouais. Ah ouais, mais t'as gagné quoi dans l'invasion, du coup? Je sais pas, mais je suis à 70% avec cette variation. Bonjour, on comprend rien, go. Salut. Bon, j'ai bienvenue sur le stream de Koutaou. Ouais, non, a priori, c'est trop petit, dit-il. Ok, ok. Ouais. C'est vrai que j'ai déjà des points, techniquement, et du coup, toi, c'est la seule zone où t'as des points qui est grosse, hein, y a pas à chier, mais du coup, tu devras encore revenir. Peut-être c'est ce qu'ils vont nous dire. C'est vrai ce que tu dis, parce que c'est vrai que j'avais fait des très mauvais échanges à gauche, donc en théorie, je suis censé être un peu en retard, ouais. Donc là, là en fait, c'est ok. D'accord. Selon le jeu. D'accord, ouais, ça se tient. Et du coup, mes échanges là sont pas bons. Ça réduit pas mal quand même. Bah ouais, mais du coup, peut-être que j'aurais pas dû. Enfin, si, ça réduit et puis il y a encore du spiel quoi. Ouais. Mais là, à ce moment-là. On a tous les deux fait des trucs à moins, 60... moins 30%. Ah ouais? Waouh. Ouais, ah genre, oui, bah... genre à ce moment-là, on est. Enfin, il n'y a pas besoin que tu rajoutes. Tu dois pas rajouter ça, c'est encore du moins 30%. C'est vraiment l'extérieur qui est important. Ah ouais. Et il est tout le temps en train de nous dire, hey, les gars, c'est l'extérieur. L'extérieur. Ah ouais. Ok, d'accord. Marron. C'est marrant. Et après que je sois tout connecté. Ouais. Après que j'ai joué ça, a priori, probable, enfin, de ce qu'il dit, juste faire ça. What? Mais je suis pas sorti, là. Ah, mais j'ai deux yeux. Si bizarre.
ça devrait pas mourir, ouais. Ouais, c'est un peu difficile. Ah, ok, il y a un petit Tsuji. Dans la partie. C'est mignon. Ouais. Pour faire probablement une forme de deux yeux. Ouais. Mais surtout, ce qui te fait perdre un temps dans la partie, c'est que tu as échangé S12 contre S8. Ça te fait perdre. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis ensuite. Ouais, là, c'est triste un peu comme échange, ouais. C'est méga triste. Parce que, ouais, c'est vrai que si je viens là, t'es pas obligé de connecter. Hein. Non, mais ça te donne un œil, quoi. Parce que ça te donne la descente santé. Donc ça te fait un œil déjà. C'est ça. Et puis je peux du coup jump. Ouais, parce que là, du coup, tu peux supprimer, mais tac, tac, tac. Et là, si jamais tu réponds ailleurs, je peux faire celui-ci que, en fait, que j'avais vu dans la partie, mais qui n'était pas le bon parce que tu avais 4 pierres. Yep. Et donc là, si nous reconnecte, j'ai déjà un œil. Ouais, j'ai un œil. Et donc, je peux essayer d'aller faire le deuxième par là. C'est pénible pour blanc, quand même, déjà là, non ? A priori, on est à 50%. Ah ouais, là c'est 50-50. Ouais, là c'est 50-50. Mais il faut trouver comment vivre et moi je suis pas sûr de pouvoir. Mais bon, faut sortir quoi. C'est vrai que si tu vis, j'ai un peu perdu tous mes points quand même. Mais on reste à 50-50 quoi. Parce que tu as tes coups forçants probablement sur l'extérieur et. Ah, parce que tu vas galérer à vivre, tu vas vivre facilement quoi. Ouais. Ouais, et ensuite, au moment où je vais en S12, c'est cata. Je drop la partie quoi. Et c'est fini. Bah, Simir pour la game. Est-ce que t'es chaud pour une rapide du coup? Rapide comment du coup? Et ben 12 secondes ou 10 secondes Fischer, comme tu veux. Non, 10 secondes Fischer c'est long. 12 secondes x 3. X 3? Ouais. Allez, 12 x 3. Vas-y, c'est parti. Tac, t'oublies pas de mettre la couleur. Ouais. Faudra mettre une pause pour que je lis. Ta-ta-ta. Tu me défies ou je te défie? Je t'ai pas en ami. Deniska, c'est bon, je te défie. Tac, tac. Type d'horloge, 1 minute. Et 12 secondes x 3. On est good, tac tac tac, privé non, DB stream, défi reçu. Le jeu a commencé. Ok, on met en pause, pouf. C'est top, ouais. Ouais. Tac, Game OGS grande, pouf. Je crois que c'est good. Je vais mettre de la musique un tout petit peu plus active vite fait là, parce que moi aussi je m'endors là. Music Joueur, bah, classico. Allez. Voilà, histoire de se mettre. Pouf. End of time, ça va bien avec Doctor Who. Well. Attends juste une seconde encore. Et on est parti pour cette deuxième partie. On a même du Sidan qui regarde. Oh là là. Salut Victor. Vas-y BP. BP GG. Oh putain, je suis blanc encore. Vas-y, je te fais. Je fais pas le même opening. Tu fais ce que tu veux. Tu fais bien ce que tu veux. Oh. What is what? Allez, c'est parti. Oui, allez, allez. Oh, t'es sérieux? Ok, soit. De quoi? C'est une invitation. Un petit peu. Alors, c'est quoi le plus gros? C'est le coin ou l'extérieur? Sur cette partie, je sais pas. Franchement, je sais pas. Allez, l'extérieur. Ouais, l'extérieur tous les jours en fait.
L'extérieur est magnifique. Il est magnifique. Oui, il est incroyable cet extérieur. Je sais même pas pourquoi j'ai. Je me suis posé la question quoi. Allez, un pâté pour commencer. Ah, tu vas là! C'est rigolo ça! Bah, c'est chiant si c'est toi qui le joues! Oui, c'était l'idée après! What the idea! Allez, on a inventé un nouveau José qui. C'est José qui ça? Bon, si tu le dis. Bon, en vrai, ça a l'air. On va être là. San-san, ouais. San-san. Finalement, je me suis dit non, mais finalement, les coins, c'est intéressant. Bio-yumi. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Attends, je vais couper le son OGS, ça va être horrible sinon. Paf. Une pierre volante. Il fait ça comme ça. Ok. Petite pierre qui vole. Je prends le coin. Petite impétueuse. Hein. Ah mince, c'est pas ça que je voulais faire. Moi ça me va. Je prends. Vas-y, fais-toi de. Non, je sais pas. Non, fais-toi ce que tu veux en fait. Comment je réponds à ça? Ah oui, mais je perds mon. Oh là là. Y'a rien. Bon, allez, vas-y. Y'a rien qui va, quoi. Pas du tout. Je sais pas. Vas-y, je t'applaudis. Ok. Ah, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Attends, j'ai bugué. Merde! C'est une forme bizarre, je pense, ouais. Ah, fuck! Allez, on va faire ça. Oh mon dieu, c'est sale. Ah ouais, c'est méga sale, mais en même temps, j'ai bugué là, je pense. Déjà, voilà, là, on voit que l'entraînement il est plus là, quoi. Ah, c'est à moi. T'as joué où là? J'ai traversé la forme. Ah, du coup, c'était bien ma pierre. Merde. Oh là là. Ah, putain. Ah, mais non, oh, merde. Putain, j'ai pas mis le son. Quel couillon. Mais attends, on peut reprendre à partir de la dernière position, non? Jouer à partir d'ici. Ouais, 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 on va faire ça. Hop. Vas-y. Jouer à partir d'ici. Hop. Deniska. Journée finie pour Sofonx, elle rentre. À toutes, Sofonx. Ou peut-être pas à toutes. Bisous, Zofi. Paramètres, paf, on recommence avec les meilleurs, enfin le meilleur. Ah putain, je suis déjà chié de toute façon. Où est-ce que je l'ai mis? Ah mais si, je l'ai mis sur le Hoshi. Je t'ai envoyé le défi. Ah oui. Le jeu a commencé. Ok. Ah bah ça y est, j'entends là. Faut juste que. Hop, je remplace, je ne regarde pas la game OGS, mais pouf, je dois remplacer pour que les gens voient. Et on est bon. Paf, voilà. Et là, c'est à moi de jouer. Ouais. Bon, t'as joué, du coup, le dernier coup. Ah, on peut du coup, on peut pas voir le dernier coup, tu l'as fait. Ah, j'ai... Le dernier coup, c'est P11. Ah, mais du coup, en fait, j'avais raison tout à l'heure, j'aurais dû jouer. Au secours. Qu'est-ce qui se passe? C'est P11. Oh putain, j'ai bugué complet. Bon alors. Tac, tac, tac. T'es venu là. Je suis venu là. Tac, tac, tac. Tac.
Ouais, ça paraît pas si mal ça. Je crois. Hein. Je crois que c'est ça. Lol Saint-Pierre. Cinq pierres de quoi? Le Tengen. Non, j'ai pas donné de pierre à Denis Caravan. T'as joué... Putain. Atari. Atari? Ouais, non, mais je suis complètement à la ramasse, là, en fait. On va jouer ailleurs. Ah, oh, t'as poussé par le haut. Ouais, ouais, pourquoi pas. Ouais, 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 pourquoi pas, une ville. Ça change un peu. Vas-y, on va s'amuser. Alors, j'ai des problèmes de forme, moi, on dirait. J'ai des problèmes de forme. Je crois qu'il y a des problèmes de forme, mais il me semble. Ouais, les ah ouais, c'est ça. Ok, donc c'est bien ça. Non, mais c'est bien ça. Comme ça, je vois où sont les problèmes. Ok, bon. On va laisser ce côté-là. Ça y est, le mode sale est tombé. Bah ouais, j'ai un peu oublié des trucs, alors bon, faut que je compense. Comme je peux. Yoyomi. 10, 9, 8. Là j'entends le vieux Yomi. C'est pas mal. Ça manque de bière. Tiens, c'est pour toi. Tu reconnais? Hein? Non, il y a Jean-Seb qui me dit que ça manque de bière. À skip. J'étais pas. 10, 9. 8. Mmh. Allez, je vais me connecter comme 10, un petit bit. 9. Ah là là. 8. 7. Se connecter, 6. Ça. Ouais. Ouais, non, mais je suis plus du tout dedans. Yes. J'ai aussi celui 10, de la brasserie des 4 9, origines. 8. 7. 6. 5. 4. Vas-y. Ah ouais, il y avait ça aussi. 10, oh là là. 9, 8, ok. 7, 6. Et ben voilà. Dix, 9, 8, 7. Non, ça ne m'intéresse pas. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4. On va corriger quand même un peu. Enfin, je crois qu'il y a un truc de type correction qui s'applique par là. C'est possible, ouais. J'avais 10, plus envie de regarder 9, à quoi ressemblait la forme là-bas. Mais... Là, ok. 6, 5, 4, 3. Bon, allez. Donc là, il y a l'espace qui commence à se dessiner. On 10, va aller taper 9. Là. C'est cute celui-là. Wesh, t'es chez moi. 10. Wesh, t'es chez moi.
Coupé chez moi, quoi. 9, 8, 7. Il n'y a aucun respect, cet homme. Mmh. 10, 9, pas... 8. On va faire ça. Trop chier. Bourre à mode ou pas bourre à mode? Bourre à mode. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bourre à mode. Wow. Dix, neuf, huit. Dix, neuf, huit, sept. Ça va donner des trucs. Aucune idée de ce qui se passe. Dix, neuf. On verra. 10, 9, 8, 7, 6, 5. C'est à ta race, machin. Peut-être bien un coup. 10. Ça coupe, ça, non? Ça coupe ou pas? Ça coupe? 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3. Ok. 10, 9. Il y a un truc 8, qui va être capturé là, non? Peut-être. J'ai peur, ok. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Il y a un truc que j'ai oublié. Là, ça commence à s'oublier de partout. Ah ouais, non, mais là, je comprends plus ce qui se passe, là. Là, je joue quasiment au hasard, donc. What the fuck? Je suis en train de mourir, là. Ça, je comprends rien, ce qui se passe. 10. 9. Mais j'ai complètement... Ça part en la tête. 10. 9. 8. Ah mince, non, non. Si. I take it. Ok, 10, bon, t'as quand même 9, un centre. 8, 7. Tiens. Okay. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Je sais pas trop, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que tu me laisses? Je sais pas. Moi, j'aime bien ça. On apprécie les pierres de coupe. Ah oui, tu vois, je les ai oubliées. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ah putain! Annulation demandée. M'autorises-tu? Annulation accordée. Bugué. 10. Ouais, 9. Mais je vais quand même regarder. Désolé. 9, t'inquiète. 10. TKT. 10 is unicolore. J'arrive pas, la pierre en H9, elle est à qui? Ah, elle est à... Ah, 9, mais t'as une gueule de tigre, 8, là. J'ai une gueule de 7, tigre, ouais. 6, gueule de tigre. 5, mais je suis en train de 4, tuer ta gueule de tigre, wesh. 3, vas-y, attaque-moi ta gueule. Ouais, attaque ma gueule, moi j'ai pas de soucis avec ça. 10, que de la 9, gueule, Denis, de toute façon. 8, 7, 6. Mm-hmm. 10, 9, 8, 7. 6. Bon, maintenant. 10, 9, 8, 7. Là. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4. Ouais, on va faire ça. Ok, Atari. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T'es une buse, toi. Buse. Ouais, t'es une buse. Putain, je vais tout mourir au centre de ouf. Aïe, aïe, aïe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T'as rajouté un coup en F8, c'est marrant ça. Ah mais ouais, mais gros, mais je suis... Attends, t'as joué où toi t'as... Ah ouais, t'as bloqué, c'est... Ah, c'est gros, ouais. Ouais, c'était méga gros. J'avais peur de mourir. C'est tellement beau, mais... 10. 7. 6. 5. Pff. 10. 9. 8. Okay. 7, 6, 5. Tac. What? 10, 9. Reste 8, pour... 7, 6, 5, 4. Ouais. 10, 9, 8, du coup, j'ai fait ça. 7, 6, 5. Après, je peux faire ça. Big. 10. Bon, à partir 9, de là, je ne comprends 8, plus. 7. J'ai aucune idée 6, de qui est en avance 5, ou pas. 4, 3, 2, 1. Putain, avec les 12 secondes en plus, laisse tomber. Putain, t'as joué où? E2. Attends, j'ai l'autre. 10, 9, 8. Mais du coup, 7, c'est nul ça pour le Yoshi. 6. Mais... c'est pas ouf. Faut que je rajoute un coup encore. Oh. Ah non, j'ai plus. Ah si. Hein? Comment elle est la forme? Vous avez gagné. Oh putain! Ah ouais, c'est chaud. Ah, bah, en vrai, c'était... En vrai, tu gagnes. Ah, Noir était en avance tout le temps. Ouais, apparemment. C'est trop chaud. Ouais. Ah ouais. Mais en unicolore, c'est trop chaud. Ouf. Tu peux faire la review, j'ai juste envie de voir la gueule de la partie là en mettant... Ah mais attends, je peux... Mais t'as juste besoin de changer les pierres. Attends, mais comment? Eh mais gros... Oh mais non. Mais quoi? C'est quoi ce délire? Mais non! Mais non! C'est toi qui es venu en D4! Putain, on a fait un croisé! Bien sûr qu'on a fait un croisé! Mais attends! Qu'est-ce qu'on fait depuis tout à l'heure, sérieux? Rien du tout! Ah ouais, c'est chaud! Donc là je connais. Oh, oh là là. T'as vu la tête de cette game? De quoi? Laquelle? Mais regarde la séquence. C'est beaucoup trop marrant. Laquelle? La séquence. Bah la séquence du coin en bas à gauche. Regarde là, elle est trop marrante. Ah ouais, derrière. Ouais. Ça n'a aucun sens. Alors attends, je vais être la review. Réviser cette partie, ouais. Début du passage en revue. C'est bien juste pour que vous l'ayez en grand écran, quoi. Oh mon dieu, mais en plus on avait le même bug tous les deux, quoi. Tellement. Donc il y a la séquence où je viens là. Putain, j'approche. Noir protège. Aïe aïe aïe. Et vous connaissiez pas ce Joseki. Oh putain. Et là le super anglais. Ah non, même moi j'étais pas prêt là. Oh là là.
mais faites pas ça chez vous, sérieux. Ah ouais, putain, il y a personne, j'ai pas vu de gens qui se sont posé des questions à ce moment-là. Franchement, vous avez été cool sur le chat. Le carré de la mort, quoi. Et par contre, t'as une bonne extension, mec. Ah oui, mon extension est pas mal, oui. T'as juste deux pierres en trop. On dirait là, elle n'existe pas. Si elle n'existe pas, franchement, c'est faire. C'est presque ok, ouais. Waouh. Incredible. Ouais, revenir. Il faut que je vois quand même ce qui s'est passé là, parce que on a repris et j'avais complètement zappé ce qui s'est passé de ce côté-là. Ah ouais. Ouais. Mais en fait, t'as dit un truc. Q12 et R13 étaient bizarres. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est ça. J'ai fait ça. T'es venu là. Ouais. Et en fait, t'as dit un truc. Et du coup, je me suis dit, merde, ça veut dire que... Ça veut dire que probablement ma pierre elle est là et tu m'as feinté en fait. Parce que moi, moi j'étais parti pour jouer désolé, ça. Ah non, mais c'est pas ta faute, c'est ma faute. Mais juste, je me suis fait brain. T'as dit un truc et du coup, à cause de ça, je me suis laissé transpercer. Parce que dans ma tête, c'était vraiment je vais jouer ça quoi. Et puis, chill quoi. Ouais, genre, ouais. Je fais ça. Ouais. Non, probablement tu fais ça. Gueule de tigre S15, je pense. À ce moment-là ? Ah ouais. Ouais. Mais du coup, ça me paraît ok. Dernière N18, c'est dégagé. Probablement ça. Ah, mais là, N18, c'est painful là. N18. N18. Ouais, tu fais ça, t'échanges ça. Ça me paraît ok. C'est pénible pour blanc ça. Ouais, ok, ouais, quand même. Ouais, parce que là, après, tu te souquais. Je te souquais ou je coupe quelque part, je sais pas, ouais. Souquais, ça l'air bien. Souquais, j'aime bien. Ouais, souquais, ça l'air bien. Souquais, c'est ok, je trouve. Hop là. Si on bloque d'un côté, on prend de l'autre. Du coup, probablement, blanc, ça c'est. Mandatory. Je pense que. Ce pourquoi j'ai réagi, c'est que Q12, ça a pas l'air d'être la meilleure forme, je pense. Normalement, c'est R9, tu fais année, juste. Ok. Et puis, tu coupes, tu sépares un peu les pierres noires, quoi. C'est cool, déjà. Et là, je coupe comment ? Je sais pas, peut-être juste tu connectes au 9, yes. Peut-être ? Je sais pas. Yes. Bon, merci pour... Ouais, la semaine prochaine, ce sera Run Go. Donc, a priori, dans... Non, le 23. Le 23 février, avec Mathieu, Tune et Marine, ma partenaire de Pergo. Et puis, voilà, je suis désolé, j'ai pas réussi du tout à achever cette quête de Don't Blink. Donc, on va rester à 2 sur 5 au niveau des badges. Faudra que je mette un petit peu en place les badges et tout sur le stream. Merci à Denis pour sa participation. Merci, merci à toi, Lolo. C'était grave fun, je me suis grave marré en vrai. Ouais, c'était drôle. Voilà, retrouvez-le. Ça n'avait aucun sens. Vous pouvez le retrouver aussi sur son Twitch, Twitch Denis Caralaban. Voilà, bah ouais, petite. Bon, ça fait longtemps qu'il en a pas fait. Ouais. Tac. Et puis bah avec ceux qui restent, je vais remettre le petit épisode de départ et pour la fin là. Et puis faire un petit raid sur quelqu'un, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe, il paraît sur Twitch. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée Denis, tout de suite. À tout de suite, Lolo. Et à très bientôt tout le monde, à dimanche pour ceux qui veulent découvrir un nouveau serveur, et puis à la semaine prochaine pour Durango. Bye. Épisode 2. Un œil pour les préserver tous. En 597 de l'ère nouvelle.
forêt à Friden. Marie, viens par ici! J'ai trouvé l'entrée d'une grotte, et il semble y avoir une lueur ou un reflet étrange dans sa profondeur. Tu voudrais dire qu'on en a enfin trouvé? Le détecteur n'est pas précis, mais la trace énergétique d'oculite est intense dans cette zone. Bon, c'est pas encore gagné. Descendons. Tu sais pourquoi ça s'appelle l'oculite, en fait? T'en as ces questions. Moi, je la recherche parce que c'est ce qui se marchande de mieux. Le seul truc que je sais, c'est que ça a à voir avec le début de notre nouvelle civilisation. Il y avait un truc comme ça décrit dans les bouquins, mais ce que j'ai retenu, c'est que la densité énergétique est inégalable, et ce depuis 597 ans, et que ça vous rendait riche surtout. Bon, t'avances ? G, faut que tu vois ça ! Mais prépare-toi à t'en mettre plein les yeux ! Oh mon dieu ! Ce gisement ! Ça ressemble plus à une crypte qu'à un gisement, si tu veux mon avis. Tu as vu ces statues ? On dirait qu'elle garde le globe. Tu penses que c'est le cas? Personnellement, je suis pas très à l'aise. On devrait peut-être s'en aller, tu crois pas? Eh, tu nous feras part de ton avis et de tes états d'âme plus tard, t'es gentil. On est devant la plus grande mine d'oculite de la galaxie, là. Tu te rends compte? Avec ça, on est les plus riches. Point! Enfin, je suis la plus riche, et puis toi après, tu restes mon junior, je te rappelle. Et des visions sur le long terme, ouvre les yeux, quoi. À suivre dans le prochain épisode. T'en as de ces questions? Moi, je la recherche parce que c'est le ski... C'est... La...